came to win, to fight, to conquer, to thrive. I came to win, to survive, to prosper, to rise. Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve pour ma première vidéo sur The Escapist, le jeu de prison, un peu comme Prison Break. Donc je vous avais dit que j'allais faire des jeux et tout. Là j'en fais un. Donc c'est la version 1.0. Je vous mettrai le lien dans la description du jeu. Enfin, c'est un jeu craqué quoi. Donc on va commencer. Donc attends, je regarde si c'est bon. Donc voilà une nouvelle partie. Non, je sais rien. Voilà. Je vais prendre celui-là. C'est là. Donc je vais le faire avec vous hein, pour vous montrer un peu. Voilà. Alors juste de me réveiller là. Alors ça y est, il est temps de mettre ce plan à exécution. Temps de préparation et de dur travail. C'est parti, utilise les touches up, left, down and right pour bouger ton prisonnier. Va vers ton bureau et clique gauche pour ouvrir. Prends tous les objets qui y sont dedans. J'y vais. Tu sais jouer. Voilà. Clique droit sur le bureau pour le porter et le poser. Bouge ton bureau à la position sur présence. Voilà. Mets-toi à côté du bureau et bouge dans sa direction pour monter dessus. Cela te permettra de voir la couche supérieure et le conduit de ventilation. Clique gauche sur le tour de vis dans ton inventaire, puis sur la grille de la ventilation pour commencer à la dévisser. Voilà. Grimpe dans le conduit d'aération. En faisant un clic gauche dessus, une fois à l'intérieur, dirige-toi vers une cellule proche. Voilà, donc je vais dans une autre cellule. Ici. Donc je reprends mon tournevis là. Ici. Et je vais dans la cellule. L'icône du sac qui clignote au-dessus de la tête de Jordan signifie qu'il a des objets à vendre. Clique droit pour ouvrir son profil. Il en sera bon. Bien, maintenant tu peux bricoler une arme. Ouvre le menu de bricolage et ajoute les deux objets. Faire une chaussette lestée. Pour utiliser une arme, tu dois d'abord l'équiper. Donc, ouvre ton profil et équipe-la. Essayons là maintenant. Appuie sur Space pour activer ou désactiver le mode combat. En l'activant, clique sur le garde pour l'attaquer. Démo. L'attaque. Voilà. Aïe, je te tiens à côté d'un gardien inconscient et clique que sur lui, tu peux récupérer des objets. Attrape son uniforme. Habillons-nous, équipe l'uniforme de gardien dans ton profil. On dirait un vrai. Maintenant sors sur la droite et en direction du nord après le gardien où la sortie t'attend. Méfie-toi de ce type. Il fait sombre ici, n'est-ce pas? Clique droit pour prendre ta pelle et commence à creuser. Quand tu creuses un emplacement vide à la surface, tu peux creuser vers
vers le haut et tu te retrouveras à la surface. Ce n'était pas trop difficile. La seule chose que tu as à faire maintenant est de partir loin. La liberté n'a jamais eu aussi bon goût. Donc, je vais vous dire comment ça va se passer. Je vais m'arrêter à 15 minutes. Enfin, on va faire deux parties pour chaque vidéo. Enfin, 15 minutes. Parce que voilà, je peux pas faire au-dessus, sinon je pourrais pas la poster sur YouTube. Donc voilà. Donc je vais nommer mes personnages, bon, vous ici. Donc lui, je vais le nommer Ryan. Allez. Un autre. Puis après les autres, je vais les laisser comme ça, on va pas se prendre la tête. Donc là, ça va commencer. On sera en train de dormir. Cher Taylor, bienvenue à Sunterspex, la prison la plus confortable et la moins stricte du pays. Toute l'équipe et moi-même tenons à vous souhaiter un agréable séjour. Si les chaînes du câble ne suffisent pas à vous divertir, vous aurez accès à de nombreuses autres activités passionnantes. Signé Directeur Davis. Ok. La vie en prison se compose de moments répétitifs. En les suivant, vous éviterez d'attirer l'attention des gardes et de vous faire... Donc, je vais prendre... Non. Cueillir le peigne affûté là, vous pouvez le casser ici et vous faire une arme. Donc je m'appelle Taylor, j'ai une force de 30 sur 100, une vitesse de 30 sur 100, une intelligence de 30 sur 100 et je travaille à la laverie. J'ai besoin de l'objet affiche. Tu peux m'en avoir un? Ok. Donc les petits bonhommes avec des sacs sur la tête, c'est ceux qui vendent des trucs. Enfin voilà. Vous avez ici et là il y a plein de trucs que vous pouvez acheter. Donc là par exemple là, pied de biche, c'est un truc de bon, c'est un objet de contrebande. Et il est affiché en rouge, ça veut dire que c'est illégal. Attendez, je vais mettre... je regarde un truc. Voilà. Donc... ah non, ça ne va pas. Donc voilà. Et les petits bonhommes avec des icônes avec un point d'exclamation, ça veut dire qu'ils ont une quête à vous donner. Et les quêtes, ils sont là. Trouve-moi un, par exemple, j'en ai une. Trouver l'objet d'affiche pour Mason, il me payera 23$. Et là, c'est les trucs, le journal de notes de fabrication. Donc, il y a que ça, en fait. Donc là, on va déjeuner. Enfin, le petit déjeuner du matin, quoi. Voilà. Effectuer des travaux manuels augmente votre fatigue. Réduisez-la en mangeant. En vous asseyant. Donc là, il y en a un qui est à côté de moi, là, qui me bouge. Donc j'ai pas assez de force pour le dégager. J'ai pas assez de force. Faut que je fasse du sport, de la musculation. Et pour l'intelligence, faut que j'aille beaucoup sur internet. Quelque chose très bizarre. Pour la vitesse, faut que je cours sur le tapis. Voilà. Donc je vais voir ce qu'ils vendent. Par exemple une Tony Card qui est très illégale. C'est la plus illégale du jeu je crois. Bon il y a plein d'autres trucs illégales. Mais bref. Donc là il y a Julian. Il vend du papier talus illégal. Tournevis illégal. Le talc c'est légal. Vous pouvez créer des trucs illégales avec je crois. Le kit de soins, je sais pas trop à quoi ça sert. Je crois que ça sert à vous soigner. Ça sert pas à faire peau. Pour...
Donc je vais m'arrêter à 14 minutes, puis après je vais reprendre la vidéo, enfin je sais pas. Donc là c'est la période libre, là c'est le truc que je peux faire ce que je veux. Donc j'essaye de prendre ses affaires, mais je peux pas en fait. Ah si. Là, bon il n'y a pas grand chose très intéressant quoi. Donc je vais me casser tout simplement. Non, pour l'instant j'ai pas trouvé grand chose qui va me servir là. Je vais aller fouiller dans les autres. Chez les autres. Par exemple, lui, il a plein de trucs illégaux. Je vais les prendre, tout simple. Sinon rien n'était. À l'extension défaut, tu peux sauvegarder tes progrès en dormant jusqu'au matin. Donc les trucs illégaux, vous pouvez les poser ici, là. Là, ici. Parce que les gardes ne voient jamais. Il faut toujours sauvegarder, hein. Quitter. Sinon vous perdez tout votre truc dans les toilettes et ça tire tout seul à chasse d'eau. Donc papier d'alu et plaque métallique. Enfin voilà, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Mais oh là là, j'ai failli me faire griller. Donc il y a des prisons ici, on a là. Il y a des polices partout quoi. Donc il n'y a pas grand chose à part ça. Je prends que les trucs illégaux. J'aime bien. Bon, il n'y a rien dans les toilettes des autres. Donc je vais prendre ça. Et c'est tout. Je vais aller augmenter ma force et tout. Enfin, je peux postuler, je crois là. Non, il y a tout le monde qui a plein de il y a tout le monde qui a son travail. Donc là, il y a une petite quête. Ça va être le bordel au prochain moment de période de sport. Si tu pouvais distraire les gardes, je te récompenserais. Je vais essayer. Bon, je vais faire de la muscule. Donc là, c'est les trucs où on travaille. Moi, par exemple, je travaille ici, mais je peux changer à tout moment de travail. Donc là, il y a une baston. Oh merde. Bon, il suffit que je fasse perdre à quelqu'un son travail et je peux lui piquer de suite. Après, il l'a plus. Donc, qu'est-ce qu'il vend lui? Enfin, j'ai pas assez d'argent pour aucun truc, quoi. Faut que je fasse diversion. Au moment de la période de sport. Donc là il y a une baston. Enfin, moi franchement dès que j'ai fini de manger je me casse. Enfin y a pas beaucoup de trucs à faire. Donc on peut y aller mais bon ils vont. La curieuse, je veux pas casser les dents à qui que ce soit. J'ai pas envie de me faire. Donc là je vais à mon emploi de laverie. Donc je vais déposer mes affaires parce que ça prend beaucoup de place. Ça, je vais juste prendre un cookie au cas où. Et je vais déposer ma bûche là ici parce que je peux pas rentrer dans mon boulot avec ça. Donc je vais déposer juste ça. Ben là on va ben, je vais m'arrêter sur ça parce que en fait là ça va faire 14 minutes enfin presque enfin, faut pas que je mette plus de 15 minutes donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire une deuxième partie après et ben on se retrouve après quoi. Ciao.